Salut les fines bouches. Dans la vidéo du jour, qu'on fait en général autour de Noël, pour se donner un petit coup de fouet dans la vie, pour être bien heureux, on va faire une bûche pâtissière. Pourquoi pâtissière? Parce que c'est une bûche qui nécessite de faire de la pâtisserie. Donc, à ne pas confondre avec la bûche glacée. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette bûche pâtissière? Qui se décompose en trois parties bien distinctes, que l'on assemble à la fin. On a besoin d'un biscuit, en l'occurrence la génoise. On a besoin d'une garniture qu'on va mettre au milieu parce qu'on va la rouler. Je vais choisir chocolat, framboise. Et on a besoin, pour la recouvrir, d'un nappage, qui sera au chocolat pour celle-ci. Chocolat noir, vous pouvez mettre du chocolat blanc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, pour la génoise, 120 g de sucre, 120 g de farine, une pincée de sel, 4 œufs. Pour la garniture, je vais faire une mousse au chocolat en petite quantité que je viendrai étaler et on va garnir avec de la framboise et éventuellement, c'est pas obligatoire du tout, un petit peu de confiture de framboise pour ramener un peu d'acidité. Et la ganache chocolat, 10 cl de crème liquide, fleurette si possible, et 100 g de chocolat qu'on a préalablement râpé. On va commencer par la génoise, allons-y. On prend la cuve du robot. On va casser les 4 œufs dedans. On a déjà aussi avant mis en route un bain-marie, puisqu'on va avoir besoin de travailler la génoise au bain-marie. J'ai cassé les 4 œufs. Je mets ma petite pincée de sel. On met les 120 g de sucre et on met au bain-marie. Et je vais commencer à fouetter pour blanchir jusqu'au moment où ma main ne pourra plus tenir sur la cuve tellement elle sera chaude, auquel cas on se revoit à cet instant-là. A tout de suite. Alors, voilà les fines bouches. Regardez, là c'est bien blanchi. Là, la cuve est à au moins 50 degrés, donc je sors du bain-marie, je mets ça sur le robot et je vais battre à vitesse rapide jusqu'au moment où la cuve deviendra froide. Pendant ce temps-là, je mets mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc la cuve est bien froide. Ce qui fait que l'appareil à génoise est assez bien. On prend la farine qu'on va tamiser et on va remuer lentement avec une marise pour intégrer la farine délicatement et de façon à ne pas faire de grumeaux. D'accord ? Donc on va lentement, on va bien au fond, on remue bien. Le principe des gâteaux, c'est toujours le même. Hein. On met quelque chose qui va gonfler les œufs et ensuite on y met de la farine. Dans le temps, c'était un peu de maïzena, mais moi je préfère la farine, je trouve que ça a un meilleur goût. Et puis c'est ça qui va tenir le gâteau un peu quand il sera monté. Il va le lier. Voilà. Alors pour faire la bûche, je ne conseille pas de mettre des alcools ou des parfums dans le gâteau. On pourrait mettre de la fleur d'oranger, ce genre de choses. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les goûts en matière de ce qu'on va mettre au milieu en insert. Voilà. On a un bel appareil qui semble bien léger. On va le prendre. On va le mettre sur une plaque toute fine. Plaque qui va au four, bien sûr, avec un papier sulfurisé. Et on va verser dessus.
bien étalé. On n'en met pas trop parce que sinon, si le gâteau est trop épais, la bûche sera un peu bourre-pif, vous voyez. Je voulais dire bourratif, vous voyez. Les bourre-pif, c'est autre chose. Heureusement que Gilbert parle, est là pour me reprendre au français aussi. Hein. Bourre-pif, c'est pour ceux qui le méritent. Eh oui. On va mettre donc la génoise à cuire à peu près entre 6 et 8 minutes. On testera, comme on doit toujours tester pour la génoise, vous posez votre doigt en appuyant un peu et ça doit remonter tout seul. Si ça remonte tout seul, c'est que c'est cuit. Donc on est parti pour 8 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, je vais faire ma petite mousse au chocolat. Pas besoin de vous l'expliquer, vous l'avez déjà en vidéo, peut-être l'insert de la vidéo de la mousse au chocolat se mettra là, peut-être, on va voir avec YouTube. A tout de suite les amis. Comment procède-t-on pour faire le glaçage, une espèce de ganache? On prend les 100 g de cacao, enfin de chocolat à peu près à 60%, qu'on a bien râpé, les 10 centilitres de crème fleurette, je l'ai fait réchauffer au micro-ondes, 40 secondes à peu près, on le prend. Et on verse dessus directement et on mélange bien jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Voyez-vous, ça ensuite on le laisse un petit peu refroidir parce qu'il y a la crème qui est chaude dessus et ensuite on le met au frigo 2 heures minimum. D'accord? Donc je continue à faire ma mousse, je mets ça au frigo. La mousse, quand j'aurai terminé, je la mets au frigo également pendant minimum 2 heures. Et dans quelques secondes, on va sortir la génoise. A tout de suite. Je viens de tester, je vais refaire devant vous. La génoise est cuite, donc je la sors du four. Ok. Voyez, en fait, quand vous appuyez un peu dessus, hop, ça remonte. C'est que c'est cuit, il est souple et bon à l'intérieur. Prends un torchon propre, très propre. On le met par-dessus. Ok. On prend une autre grille ou une plaque. On fait attention de ne pas se brûler. Et on retourne ça. On remet la grille dans le four que l'on a coupé. On enlève la plaque, qui est aussi très chaude. Et on enlève le papier sulfurisé. On va la laisser refroidir tranquillement. De toute façon, pour pouvoir la garnir, on a besoin que notre glaçage et notre mousse au chocolat aient eu 2 heures de frigo. Donc soit on a anticipé, on les a fait avant, et dans un quart d'heure on peut dresser, mais nous, en ce qui nous concerne, on va dresser dans 1 heure ou 2. Donc en attendant, mettez ça de côté, au frais, pas au froid, pas frigo, au frais, et puis on se revoit au moment d'assembler tout ça. A tout de suite, les amis. On a donc mousse au chocolat,
la ganache pour le nappage, les petites framboises, la confiture de framboise et notre génoise. Maintenant, il reste le plus dur. Il faut rouler. On va prendre donc un peu de confiture de framboise. On n'est pas obligé d'en mettre, hein. Ça c'est ma bûche à moi. J'en mets un petit peu que j'étale sur tout le biscuit. Il faut en mettre très peu parce que plus vous mettez de quantité, plus vous allez grossir le biscuit. Ce qui est important, c'est d'en avoir sur toute cette longueur-là, parce que comme on va le rouler, il y aura forcément dans chaque portion suffisamment. Voilà. Ça sent bon quand même. On dira ce qu'on voudra. Pour moi, il y en a assez. Maintenant, on va mettre par-dessus une couche de mousse au chocolat. Donc, vous voyez, elle a une belle petite tenue. Il faut travailler assez vite parce que ce sont des produits qui, avec la chaleur, ont tendance à fondre un peu. Donc, vous voyez, chocolat, framboise. Avouez qu'on a fait pire dans la vie, hein. Là, toujours pareil, c'est optionnel, mais on peut y mettre quelques fruits. Disposer un peu, ça va amener un petit peu de surprise pour les enfants, pour les grands-parents. Voilà, un petit peu de framboise, ça va nous rappeler le goût de ce qu'on avait tout à l'heure. J'en mets pas trop parce que sinon après ça va gonfler le biscuit. Là, roulement de tambour, on prend et on roule en tassant bien. Ça craque un peu, c'est normal, hein. Après, on va corriger tout ça avec la ganache. Voilà. On a un bon biscuit roulé. Maintenant, je vous abandonne une petite minute parce que je vais préparer mon support. J'ai préparé mon support, un petit morceau de petite planche de bois que j'ai bien nettoyée, sur laquelle j'ai mis un peu de sucre glace parce que c'est une bûche un peu de Noël. Ensuite, vous prenez un couteau et vous coupez en biais ici. On voit que le roulé, il est pas trop mal. Bien joué, Pat. On fait pareil de l'autre côté. On prend un des deux morceaux qu'on taille au bout, comme ça, et qu'on réserve. Ça, c'est la part des enfants avant. On prend notre ganache et on va recouvrir la bûche de ganache. Je vais vous épargner le temps de regarder ce que je fais. Simplement, j'en ai déjà mis un petit peu ici. Ça va me servir à coller ce morceau qui va devenir, vous savez, ce tronc qui part là, sur notre bûche. On se revoit une fois que j'ai fini de tout passer le nappage partout. A tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai recouvert avec la ganache. J'ai pris une fourchette, j'ai fait des petites stries pour représenter un tronc d'arbre.
j'ai acheté mes petits motifs de Noël. Alors là, on a le Père Noël qui grimpe sur le petit truc. On a notre bonhomme de neige. On a du où ? On le met où ? Où on veut. On peut en mettre ici. Et puis après, on a un autre petit Père Noël, mais on va pas le mettre parce que si on met deux Pères Noël, les enfants, ils vont comprendre que ça, il existe peut-être plus. Le Père Noël. On prend aussi un petit peu de sucre glace qu'on va faire comme ça. Du coup, ben, c'est la neige. On met ça au froid. On laisse bien refroidir. La ganache va durcir un tout petit peu. Pas beaucoup, hein, ça va pas être croquant, mais va durcir un petit peu. Et puis après, on se régale. On fait ça en secret. Et puis, nos enfants nous prennent pour des génies. Vous avez vu ? C'est juste un peu de temps. Voilà, les amis. Faites comme nous sur la chaîne. Courez. Courez après la vie. Courez après le bonheur. Courez après le bien-être à table. La bonne bouffe. Continuez à être des fines gueules. N'ayez pas peur de prendre une bonne bûche. Une bûche de Noël qui peut, si vous changez les motifs, devenir une bûche d'anniversaire. Vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez parce que c'est ce que vous aimez. Alors, à vos fourneaux, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?